Ce jeune Québécois a littéralement servi de cobaye à la science. À la suite d'une erreur chirurgicale, il perd son pénis. Dès lors, un médecin peu scrupuleux va convaincre ses parents de le castrer et de l'élever en fille. Et l'enfant ne saura la vérité que bien des années plus tard. Aujourd'hui, la terrible histoire de Bruce Raymer. Bruce Raymer est né le 22 août 1965 à Winnipeg, au Canada. Et pour le plus grand bonheur de ses parents, il n'arrive pas seul. Il a un frère jumeau, Brian. Les nourrissons sont en parfaite santé, mais bientôt, on s'inquiète car ils ont du mal à uriner. Et c'est à l'âge de 6 mois qu'on leur diagnostique un phimosis. Le prépuce est trop étroit et la solution à ce problème est vieille comme le monde. Il faut les circoncire. C'est dès l'âge de 8 mois, le 27 avril 1966, que le premier des jumeaux, Bruce, va subir l'opération. Elle est banale, mais pour ce faire, le médecin généraliste Jean-Marie Huot et l'anesthésiste Max Cham décident d'utiliser une méthode peu ordinaire, l'électrocautérisation. Au lieu d'utiliser un couteau chirurgical, les spécialistes utilisent une nouvelle méthode dans laquelle la peau est brûlée à l'aide d'une aiguille électrochirurgicale. Donc pour ce faire, ils vont utiliser un appareil, la machine à cautériser Bovie, et détail qui est loin d'en être un, cet appareil n'est absolument pas destiné à être utilisé ni sur les extrémités du corps, ni sur les organes génitaux. L'opération tourne au drame, c'est une vraie boucherie, le sexe du bébé est littéralement brûlé, et il est irrémédiablement endommagé. Face à cet échec, décision est prise de ne pas opérer l'autre jumeau, Brian, qui guérira d'ailleurs de cette anomalie avec le temps et sans aucun traitement. Mais désormais, il faut soigner le petit Bruce. Les parents sont inquiets pour l'avenir de leur enfant et un jour, alors qu'ils sont devant leur téléviseur, ils tombent sur une émission avec en invité le professeur John Monet. Il défend la théorie selon laquelle on ne naît pas garçon ou fille, mais on le devient. Il est avant-gardiste quant aux questions sur l'identité sexuelle. Passionné d'hermaphrodisme par exemple, il en avait fait sa thèse. Pour lui, ce qui détermine l'identité de genre d'un enfant ne sont pas des facteurs biologiques, mais dépendent de la manière dont il a été éduqué. Un petit garçon va se sentir fille s'il est habillé en fille, si on lui donne des jouets de fille, etc. Les parents voient en lui un sauveur et décident de lui écrire en février 67 et lui racontent ce qui est arrivé au petit Bruce. Monet, quand il prend connaissance du courrier, y voit là une occasion rêvée d'appliquer et de vérifier ses théories. Rendez-vous est pris, les parents ramènent le bébé à l'hôpital John Hopkins de Baltimore en 1967 pour le faire rencontrer John Monet. Et c'est là qu'une décision folle va être prise. Ce John Monet pense que pour le bien-être de l'enfant et pour son futur épanouissement sexuel, il est plus judicieux de le transformer en fille. En somme, il pense dur comme fer qu'on peut imposer à un enfant en bas âge avant 2 ans, c'est important de le préciser, il est neutre avant cet âge-là, d'après Monet. On peut lui imposer un genre, soit féminin, soit masculin, et que l'enfant se développera en fonction de cette réassignation, sans encombre avec le temps. Comme on peut construire un vagin fonctionnel chirurgicalement et non un pénis, il décide que Bruce deviendra une fille. Mais encore faut-il convaincre les parents. Les parents sont étonnés, mais le docteur Monet va faire pression sur eux et les inciter à faire opérer l'enfant sans attendre. Les parents finissent par céder et à peine 2 mois plus tard, le bébé est opéré et subit ce que l'on appelle une réattribution sexuelle. Bruce n'a que 22 mois, on le débarrasse de la totalité de son appareil génital, pénis et testicules comprises, on lui fabrique une petite vulve de fortune, l'enfant est rebaptisé Brenda, et Monet ordonne aux parents de cacher la vérité à l'enfant et ainsi de lui faire croire qu'il est né fille. Et donc pour résumer, après avoir été élevé ses 2 premières années comme un garçon, désormais le bambin sera affublé de vêtements et de codes féminins. John Monet est ravi.
et Brenda dans le cadre de cette expérience scientifique sera suivie par John Monet et contrainte, avec Brian, son frère jumeau, de le voir chaque année. Quelle aubaine pour Monet qui en profite pour écrire une étude. L'étude John Joan, faisant ainsi de la petite Brenda un cas d'école. La preuve que l'identité de genre est malléable si elle est imposée à un très jeune âge. Et c'est idéal car Brenda a un frère jumeau. Il ne peut pas rêver mieux, il pourra ainsi comparer l'évolution de l'un à celle de l'autre. Ils partagent les mêmes gènes, le même environnement, etc. Et Brenda sera la preuve ultime qu'il a raison. Au fil des ans, il va publier différents rapports dans lesquels il parle du succès du développement féminin de l'enfant. Il écrira, je cite, « Le comportement de l'enfant est si clairement celui d'une petite fille active et si différent du comportement masculin de son frère jumeau. » Et dans un premier temps, tout a l'air de bien se passer, en tout cas d'après les rapports de Monet. Il explique qu'il a fallu environ un an pour que Brenda commence à préférer les cheveux longs aux cheveux courts, les habits de fille aux vêtements de garçon. La mère explique qu'à l'âge de 4 ans, Brenda la copie sans arrêt, elle nettoie la cuisine, alors que Brian non. Elle n'aime pas être sale, comme son frère, elle a un caractère plus prudent. Brenda est heureuse de recevoir une maison de poupée à Noël, et elle ne regarde pas une seconde le garage et les voitures qu'a reçu Brian. Le médecin a également noté qu'à l'âge de 4 ans toujours, en regardant les jumeaux, il était impossible de se tromper quant à qui était le garçon et qui était la fille. Il explique aussi qu'à l'âge de 5 ans, la petite Brenda a préféré porter des robes, utiliser des bandeaux, des bracelets, des épingles à cheveux, et elle était aussi amoureuse de son père, comme toutes les petites filles. Mais voilà. Tout est très loin d'être tout beau, tout rose, déjà. Les séances annuelles avec ce Monet, Brenda, les vit très mal. Elle n'en parlera que bien des années plus tard, et voilà ce qui sera dit. Par exemple, Monet force les jumeaux à simuler des actes sexuels. Brenda devait se mettre à quatre pattes, pendant que son frère, lui, était derrière avec son entrejambe collée à ses fesses. Une autre fois, il a forcé les enfants à se mettre nus et à faire l'un sur l'autre des inspections génitales pour qu'ils assimilent bien la différence entre un garçon et une fille. Une autre fois, Brenda devait écarter ses jambes et son frère jumeau devait venir au-dessus d'elle. Et à au moins une occasion, le docteur Monet avait pris des photos pendant ses, je cite, exercices que Monet a justifié en disant, je cite, que le jeu de répétition sexuelle de l'enfance est important pour avoir une identité de genre adulte saine. Et le quotidien est difficile à vivre pour Brenda, et c'est tout le contraire de ce que Monet écrit dans ses études. Selon la mère, Brenda a toujours déchiré ses robes, elle passait son temps à jouer dans la boue avec les autres garçons, elle n'avait que faire des poupées que ses parents lui offraient. À l'école, c'était un enfer sur terre pour elle. Tout le monde avait remarqué ce côté très masculin chez elle, tant physiquement que dans son comportement. Les filles l'évitaient et les garçons se moquaient d'elle. Même les professeurs avaient demandé à la mère pourquoi leur fille était si étrange et aussi peu féminine. C'était une bagarreuse. Elle avait des performances sportives largement au-dessus de celles de ses petites camarades. Elle subissait des brimades, on l'a surnommée le gorille. Une camarade de classe qui s'était moquée d'elle un jour a été surprise de la force de Brenda quand elle l'a attrapée par le col, l'a pris et l'a jetée par terre. Beaucoup de garçons enviaient sa force d'ailleurs. Quant à ses résultats scolaires, ils étaient toujours plus catastrophiques, sans compter qu'elle est sujette à des accès de colère. Et elle finira d'ailleurs par étudier à distance, à la maison. Brian, le frère jumeau, dira plus tard que sa sœur marchait comme un mec, s'asseyait les jambes écartées, adorait les petites voitures, n'aimait pas se maquiller. Avec d'autres garçons, ils aimaient construire des forteresses, manger de la neige et jouer aux soldats. Ses parents lui avaient acheté une corde à sauter, mais elle ne l'avait jamais utilisée. Non, elle s'en servait pour ligoter ses camarades quand ils jouaient ensemble. La mère de Brenda va écrire au docteur Monet pour lui faire part de ses inquiétudes, mais le docteur Monet va les balayer d'un revers de main. Il va même accélérer la transformation en lui faisant des injections d'œstrogène pour pouvoir faire développer sa poitrine. Et le docteur est formel, tout ce mal-être n'est que passager. En réalité, il ne faut surtout pas que tout cela vienne entacher la sortie de son livre à venir, Man
and Woman, Boy and Girl, dans lequel tout un chapitre est consacré aux jumeaux Reimer. Vous imaginez bien qu'à aucun moment il ne parlera des doutes des parents, des difficultés que rencontre Brenda, non. Il ne garde que ce qui l'arrange son objectif et d'accréditer sa théorie. Et d'ailleurs le livre sera un véritable succès, relayé partout par le Times, par exemple. Le but de Monet est d'obliger Brenda à se sentir femme. Brenda qui, rappelons-le, vit encore dans l'ignorance la plus totale de son genre de naissance. Et même si cette réattribution sexuelle est de toute évidence un terrible échec, pour John Monet, il est temps de passer à l'étape supérieure. Désormais, il veut faire construire un vagin à l'adolescente. Et il n'hésite pas, encore une fois, à faire pression sur les parents. Mais cette fois, plutôt que de céder, les parents décident de ne plus emmener la petite Brenda aux séances annuelles. Enfin, c'est plutôt la petite Brenda qui, dès l'âge de 13 ans, refuse d'y aller. Et elle ne leur laisse pas le choix. S'ils la forcent, encore une seule fois, à se rendre à ses séances avec Monet, elle le jure, elle se suicidera. Et on ne peut constater qu'une seule chose. Brenda, malgré son traitement hormonal, ne se sent pas fille et ne s'est jamais sentie comme telle. Elle devient toujours plus masculine, elle ne comprend rien, elle pense être différente. Ça la perturbera énormément et elle en deviendra dépressive et même suicidaire. Les parents vont alors se tourner vers d'autres praticiens. La jeune fille va suivre une nouvelle thérapie. Et le nouveau thérapeute explique aux parents qu'il faut dire toute la vérité à Brenda. Et c'est ce que les parents vont faire le 14 mars 1980. Elle a alors 14 ans. Et c'est tout son monde qui s'éclaire. Ce corps masculin, cette sensation d'être anormale, cette attirance de plus en plus forte pour les filles. Terminé. Désormais, Brenda changera d'identité pour David, en référence à David contre Goliath. Il va reprendre pour de bon son identité masculine. Alors, dès le 2 juillet 1981, retour à l'hôpital, construction d'un pénis rudimentaire. 5 ans plus tard, en 86, David va se faire injecter de la testostérone, va se faire retirer sa poitrine, et enfin fera une phalloplastie, c'est-à-dire une reconstruction du pénis, ou en tout cas autant que le permet la science, autant que faire se peut. Et on pourrait penser que d'une certaine manière, et malgré tout, que les choses se terminent bien, bien pas du tout. À commencer par Brian, le frère jumeau. Il sera terriblement affecté par tout ça, lui aussi doit s'adapter, et alors qu'il fait le deuil de sa sœur pour accueillir ce nouveau frère adolescent, eh bien, il est profondément marqué. Il commence à développer des troubles mentaux qui aboutiront, plus tard, à une schizophrénie, sans compter que toute sa vie, l'attention de ses parents était sans cesse portée sur sa sœur et ses nombreuses crises. En 1997, le sexologue Milton Diamond convainc David Reimer de raconter son histoire dans un livre pour que plus jamais ce qui lui est arrivé n'arrive à un autre enfant. L'affaire sera relayée par le célébrissime magazine Rolling Stone et aura un écho à la fois national et international. Il sera même invité sur le plateau d'Oprah Winfrey. Milton Diamond a rapporté que c'est entre 9 et 11 ans que David Reimer a pris conscience qu'il n'était pas une fille. David se mariera avec une certaine Jane Fontaine et adoptera 3 beaux enfants qu'elle avait eus d'un précédent mariage. Il travaille dans un abattoir, puis fera des petits boulots. Il aime pêcher, il aime le camping, les antiquités et collectionne de vieilles pièces de Monet. Il a une vie tout à fait normale, mais les choses vont se dégrader avec le temps. Si ce livre lui permet dans un premier temps d'être plus à l'aise financièrement, sa vie privée n'en reste pas moins catastrophique. Après 14 ans de mariage, sa femme l'informe qu'elle veut qu'il divorce. Ses relations avec ses parents sont catastrophiques, il perd énormément d'argent dans de mauvais investissements, et enfin, drame ultime, en 2002, son frère jumeau, Brian, se suicida avec un mélange d'alcool et d'antidépresseurs. Tout ça replonge David dans une profonde dépression, et le matin du 4 mai 2004, il se rend sur le parking d'une épicerie de sa ville natale et se tire une balle dans la tête avec un fusil à canoncier. Il avait 38 ans. C'est donc 2 ans après le suicide de son frère. Last week, David Reimer killed himself. I knew
why the police were coming to the door. And I started screaming, no, no, no. My husband came. They told us to sit down. They said they had some bad news. And I knew David was dead. Et en parlant de tout ça, David aura au moins gagné un combat, celui de sensibiliser les gens à ses réattributions sexuelles au berceau. Les rapports de Monet sur la malléabilité du sexe avaient entraîné avec le temps des milliers de réaffectations sexuelles, mais à la lumière de cette histoire, nombre de médecins arrêteront ces procédés. On ne transforme plus aussi facilement en fille un bébé masculin qui est affublé par exemple d'un micropénis, ou qui a une malformation congénitale, ou ayant pour X ou Y raison perdu son pénis. Pareil pour les bébés hermaphrodites. Désormais on hésite, mais encore aujourd'hui ce sont les parents qui généralement choisissent pour l'enfant à la naissance. Dany Salomé, hermaphrodite de naissance, dira dans son livre « Je suis née ni fille ni garçon ». Les parents choisissent et jouent à la roulette russe. Et les parents Reimer ont eux aussi souffert de tout ça, à commencer par ce sentiment de culpabilité qui ne les a jamais lâchés. Ils se sont mordus les doigts d'avoir imposé tout ça à David et indirectement à Brian. La mère a fini dépressive. Quant au père, les dernières années de sa vie, il était devenu alcoolique. Bien heureusement, cette affaire a causé un tort considérable à la réputation de ce John Monet et à sa théorie de la plasticité du genre sexuel. Il a arrêté d'écrire ou de répondre au sujet de cette expérience dès l'année 1980. Il a bien essayé d'interdire aux Reimer de parler à la presse, mais en vain, et il décède en 2006. Et il n'a jamais reconnu que cette expérience scientifique avait lamentablement échoué. Cette expérience est d'ailleurs censée être la base de la théorie du genre, et elle est encore utilisée, parfois, dans les manuels universitaires. Quant à la réputation du centre médical John Hopkins, qui passait pour une institution d'avant-garde pour soigner les individus intersexués et les situations transgenres, a été lui aussi profondément touché. Quant au Dr Diamond, la conclusion qu'il tire de tout ça et qui lui est propre, c'est que nous ne sommes peut-être pas venus au monde complètement neutres, que malgré tout ce qu'on peut faire, que ce soit dans le domaine médical, chirurgical ou social, il y a en chacun de nous à un certain degré de commencement masculin et ou féminin, avec le rôle par exemple des hormones, et qu'il y a quelque chose d'important dans la composition biologique de l'individu. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez découvrir d'autres histoires. Et dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, bien évidemment, dans le respect de toutes et de tous. N'oubliez pas notre Instagram, LilaXLilia. Je vous mets également le lien de notre Tipeee en barre d'infos si vous souhaitez aider la chaîne et la supporter. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.